Wesh l'équipe, c'est Sergi, bienvenue encore. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure sur Football Life. Voilà, donc voilà, il y a. On va jouer quelques matchs jusqu'à Lyon, je crois. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on va jouer un match jusqu'à Lyon. Donc, on a AC Ajaccio, Stade Reims, Monaco, Barcelone et Lyon. Donc, voilà, j'ai passé une période où j'étais blessé. Pour vous dire, depuis la Côte d'Ivoire, je m'étais blessé. J'avais pas joué face à Montpellier, ni Marseille, ni Feyenoord. On a perdu 4. Face au Feyenoord, j'avais pas remarqué. Et là, donc, on va jouer le match face au AC Ajaccio. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette On est au rencontre de Parc de compétition. Princes et voilà. Bienvenue, En tout cas, en championnat, ça galère. allons-nous faire vivre ce match? Ça, faut que je vous le Voici dise. quelques indices sur On l'importance espère de gagner ce l'organisation match de parce que cette voilà. rencontre. On a battu Marseille, j'avais pas joué, Cette mais rencontre voilà. est Avant ça, on galérait magnifique. terriblement. Elle est magnifique. Et Elle est j'espère que on va magnifique. pouvoir gagner. En tout cas, je sais pas encore ma pause. Je regarde ma pause. J'espère que vous Ouais. appréciez ce Aujourd'hui, je match et joue. que vous êtes siège de guide. Nous sommes Ailier heureux de vous dire gauche. que le match a bien débuté. Donc. Le Paris Saint-Germain qui peut-être pour trouver la bonne solution à l'atout. C'est clair. Avec... Oh, la frappe! Et le but. Le but de Hugo Ekitike. Alors, on dirait que cette caméra a l'air de marcher pour moi parce que. sur l'autre caméra, on galère. Allez, Ekitike. Alors, vu que je joue ailier gauche, peut-être. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Peut-être, vu que je joue ailier gauche, je vais peut-être changer de caméra parce que voilà. Là, je vois presque rien. C'est tout d'affilée, malheureusement. Bien récupéré sur ce duel. Il y a danger. Il cherche la profondeur. Oh, Et l'aspiration. la passe. Voilà, ça c'est vraiment très bien joué. On a galéré pendant quelques minutes. Bon, vous savez, je vais pas vous montrer tous les matchs, je commencerai à vous montrer juste les buts. Voilà. On n'avait pas la possession du ballon tous les matchs. Ajaccio voulait égaliser à tout prix et. Là, j'ai juste eu quelques moments là de. C'est maintenant que vraiment je commence à jouer. Et là, regardez, là j'ai vu franchement qu'il était en bonne position. Voilà. Un peu de sang dans les deux équipes. Il était Donc, il y a temps qu'ils beaucoup trouvent une solution pour de cette nouveaux joueurs, rencontre. Diego, Ils Di ont tous le Davi. jeu à tête. Franchement, Deuxième il y a période vraiment beaucoup de terminée. joueurs. On est reparti. Ça joue long. Serginho. Et le match s'achève sur cette ultime Et occasion. le match est terminé. Nous gagnons 2-0, but de Hugo Ekitike et Bukayo Saka. Voilà, j'ai une note de 6,5. J'ai pas vraiment très bien joué. Je crois que nous sommes premiers toujours de championnat, oui. Mais ça sera plus dur cette saison. J'ai quel âge? J'ai 23 ans. Ah, faudra que j'arrive à 99, à la note 99 plus rapidement. Car ça ne monte plus en fait. Faut vraiment que j'ai beaucoup de ballons. Alors, on va jouer face au Stade Rennes et. Allant des ballons d'or. Oui. Je sais pas quand est-ce qu'on aura le ballon d'or. C'est même pas si c'est dans nos projets. Alors, j'ai demandé d'être milieu offensif, mais ils me mettent ailier gauche. Je vais devoir dire que je veux pas aller à gauche. Ni même à droite d'ailleurs. Voilà, soit c'est avant-centre, soit c'est milieu offensif. C'est à vous de choisir. Intercepté.
Et le but de Bukayo Saka. On va revoir ça. Je crois que c'est une passe décisive. Je ne sais pas s'ils ont compté ça. Regardez. Franchement, c'est une passe décisive. Donc, je change de caméra parce que voilà. J'ai envie un peu de changer là. Puis on verra. Ça dépendra de mon humeur cette fois-ci. Parce que voilà, il ne faut pas oublier avant tout, c'est un jeu. Donc, il faut d'abord s'amuser avant. C'est vrai que le réalisme, c'est bien, mais parfois, ça peut être un peu gênant. C'est parti. Et oui, non! Ah! C'est parce que, en fait, le gardien m'a surpris. Le gardien m'a surpris. J'aurais pu passer ma maïki ticket, mais voilà. J'ai été vraiment surpris par le gardien. Chaque fois, j'ai ce genre de but. Je sais pas pourquoi. Faudra que. Je m'apprête à savoir comment lober parce que là, faut pas que je continue comme ça. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Ouais, c'est bien battu, pas le récupérer. C'est pas possible les guys. Je me blesse encore une fois. Ah non, je crois pas que faut vraiment que je commence à me reposer parce que là. C'est pas ce train qu'on va on va prendre le ballon d'or les gars. J'espère que voilà, faudra que attends, je commence à me reposer les gars parce que là voilà, j'ai une très bonne note aujourd'hui, j'ai joué à fond 7.0. Faut que je commence à monter ma note. Allez, on va jouer contre Monaco, ensuite ça sera Barça, ensuite ça sera Lyon. Leur message, on va voir. Bon, je suis pas blessé, donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Gros match face à Monaco, les gars. Là, je laisse un peu la cinématique parce que c'est un match derby. Donc voilà. Paris est magique, les gars. Et c'est parti les gars. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Il fallait mettre en tribune ce ballon. Il tente sa chance. Et le but, voilà. Et c'est parti dès la cinquième minute. Voilà, il me fallait ce but. Regardez. Sixième but du championnat. Ah, franchement, on a peu de buts. Hein. Vraiment peu de buts. Il faudra remonter ça très rapidement. Arriver au moins à 20 avant janvier. Je crois que nous sommes déjà en décembre, donc... Allez, Neymar, on va essayer de jouer ensemble, Neymar. Voilà, ça c'est bien, c'est ce que j'aime avec Neymar. Ah, Mbappé. Oh non. Ah. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? Ah non, c'est pas possible. En santé, franchement, ce coup franc là,
Ce coup franc, franchement, sans vous mentir, moi je ne l'ai pas senti. J'ai senti directement que l'arbitre était pour que le Monaco égalise. Il n'y a pas de souci, on va gagner. Voilà, c'est ça le derby. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ils sont récompensés de leurs efforts et ça va leur faire du bien au mental. Allez, ça c'est pour Neymar. Neymar, qu'est-ce qu'il fout, Neymar? Oui! Et enfin, le but de la victoire, c'est Luc de Jong. Voilà. Et à la dernière minute, voilà, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va revoir. On a fait une petite construction dès le début. Regardez, regardez. Franchement, je l'ai laissé beaucoup d'espace à mon déplacement. À attirer le défenseur vers ce qui a permis à Luc de Jong. Et voilà, ça fait 2 buts à 1. Franchement, c'était difficile. On a eu beaucoup d'occasions. Je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, les vidéos. J'ai envie que les vidéos soient trop longues. Voilà, je suis l'homme du match. En tout cas, j'espère que ça va monter ma note et je pourrai être... en montée libre. Salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de football. Nous sommes ravis de pouvoir... Allez, c'est parti. La Champions League, les gars. Voilà, nous sommes au stade mythique du Spotify Camp Nou, stade de Barça. Là-bas, je joue toujours au Barça. Voilà. Mais j'ai activé transfert vraiment à fond pour que beaucoup de joueurs maintenant ne restent plus trop au club trop longtemps. Donc, ce qui permet que dans notre club aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, à part Neymar qui est resté, et Donnarumma est encore jeune. Les anciens sont souvent partis, donc nous avons plus de jeunes joueurs cette fois-ci. Voilà, Koundé qui est toujours là, un nouveau gardien. Ça, voilà, le Barça a un peu changé de tête. Ce qu'on est en train de voir. Pedri est toujours là. Rafinha est là. Et ça, c'est peut-être Ferran Torres. Je crois que Alaves est aussi à Barça. Voilà. Comme ça, ça rend un peu le jeu un peu plus dynamique. Au lieu de garder toujours les mêmes joueurs. Donc, est-ce que vous voyez Ferran Torres est là. Alvarez, Victor Ayala. Franck Essier. Voilà. Franchement, c'est... On voit que c'est une très nouvelle équipe. On va voir chez nous. Marquinhos est toujours là. À ce que je vois. Neymar est sur le banc. Mbappé aussi. Aujourd'hui. Et Kitike joue à droite. Alors, je commence à trop me fatiguer en fait parce qu'on enchaîne les matchs. Il faut que j'apprenne aussi à me reposer de temps en temps. Ferran Torres, il est bien placé. Il perd ses appuis, ballon perdu. Corner mal négocié, le contre à suivre. Ah oui, superbe transition. La belle contre-attaque. Ça peut faire mal. Et voilà, on prend un but. Ah non, là, la défense, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas. Aucun marquage, aucun. Il y a beaucoup d'espace. C'est juste incroyable. Regardez. Du n'importe quoi. Regardez-moi tout cet espace. C'est
c'était juste incroyable. Regardez là, ils sont à deux sur lui et personne n'arrive à l'arracher. La balle, et je crois qu'on risque... J'espère qu'on est déjà qualifié, hein, parce qu'on a perdu contre Fer, Nord, et ça risque d'être facile. C'est pas possible, c'est ma faute là. Oh, j'ai perdu la balle bêtement alors que j'aurais pu me la lâcher. Regarder ici, j'aurais pu passer plus là-bas. Franchement, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Franchement, j'aurais une note de 0 parce que là, franchement. Alors là, on va essayer maintenant d'égaliser. Mbappé est entré au moins. Et qui est tiqué, qui rate. Une occasion. À portée de main. Alors, qui est tiqué sort. Attention, c'est une humiliation les gars, 3-0. La défense est complètement... Franchement, Alvarez, il nous a fait souffrir aujourd'hui. Il nous a fait souffrir. Ah non, là, c'était du n'importe quoi. Ah là là. 3-0, c'est complètement humiliant les gars. Voilà, c'est ce que je disais, quand l'équipe est très faible, je sais pas si on aura la Champions League comme ça, mais bon, on avait gagné Barça au match aller chez nous, mais chez eux, c'est une humiliation. Alors là, il y a une faute, une grosse, grosse faute là. J'espère que Mbappé n'est pas blessé parce que... Voilà, c'est fini, je crois. Et il ne donne même pas de carton. Alors, je crois que c'est fini pour Mbappé. Regardez la faute. Oh là là. Alors là, il faut que je la mette parce que... Et oui! Au moins, c'est ce but. Franchement... Ça, c'est un coup franc, faut pas oublier. On va la revoir ce coup franc. Alors, je l'ai mis juste au fond là. Pour que le gardien ne la touche pas. Alors, j'ai eu peur que ça fasse poteau parce que j'avais un peu ramené. Voilà, les coups francs, c'est mieux en tout cas sur, sur PS que FIFA. Sur FIFA, j'ai vu ça a un peu changé. Ils ont un peu changé la donne et ce n'est plus comme avant. Alors peut-être que ce but va peut-être rêver un peu les miens. En tout cas, je reviens défendre parce que franchement, il y a beaucoup d'espace à ce que je vois. Ah, je récupère la balle. Allez, on y va, on y va, on y va, les gars. Qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Allez, ça. C'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Allez, on est qualifié pour la 8e de finale, même si on a perdu. Donc, ça va. Je crois que dans l'autre match, c'est passé autre chose. Donc, c'est pas. On s'est fait peur pour rien. Belle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer. Et un pied de nez. Alors, nous sommes au stade du parc OL. J'espère que j'ai bien installé les trucs. Les stades. Parce que ce que je vois, il y a vraiment.
des stats que je n'avais pas vu. J'espère que tout est bien. Ce stade est superbe. C'est émouvant de se retrouver là. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. J'aurais dû voir, j'aurais aimé voir le stade Vélodrome. Le Paris Saint-Germain qui cherche encore et toujours à faire la différence dans ce match. Attention au danger, il tente sa chance. Et voilà, on prend un but de la part de Lyon. Franchement, voilà, l'équipe depuis qu'on a perdu face à Barça, on risque de sombrer dans une baisse de morale parce que là, ils ont joué du n'importe quoi les défenseurs alors qu'ils auraient pu dégager. Regardez, franchement, Dembélé qui fait du n'importe quoi aussi. Voilà, j'ai raté aussi une occasion, je crois que je vais vous la montrer aussi. Pas vraiment une très forte occasion, mais... Voilà, on n'a pas eu vraiment d'occasion, ce match était un peu plus fermé. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Il reçoit le ballon et c'est récupéré encore une fois. Mais attention, le temps file, il faut mieux utiliser le ballon. Attention, on risque de prendre un autre but là. Attention, Reine Adélaïde, heureusement. C'était l'occasion de se mettre à l'abri, dommage. Neymar, il joue sur sa gauche. Alors je crois que c'est terminé les gars, on va perdre ce match face à Lyon. Alors franchement, match pourri, je pourrais dire. Je crois que j'ai une note très basse parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup de choses. Ah voilà, 5.0 en tout cas. Bon, heureusement qu'on est devant. Et voilà. Donc, je crois que ça sera la dernière vidéo. Après, nous allons jouer contre Stade Rennais. Je vais me reposer sur Stade Rennais parce que je sens que peut-être c'est le fait que je sois pas reposé. Alors, je suis sur le banc. Après, on va se retrouver. Je crois pas qu'on verra tous ces matchs-là. Je crois pas que je vais filmer. On va se retrouver bien après tout ça. Voilà, tous ces petits matchs-là, je vais zapper ça. Peut-être quart de finale, je ne sais pas. Et puis, on se retrouvera peut-être face au Sporting de Portugal. Et après, on verra comment on fera. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout si vous êtes déjà abonné. Parce que je sens que ceux qui regardent ces vidéos sont déjà abonnés. Merci et à bientôt.